Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il est 8h20. Zach est parti à l'école. Jackson a déjeuné. Il me resterait moi à déjeuner, mais là, j'ai plus de yogourt pis tout. Fait que je pense que je vais prendre des petites céréales aux fruits que j'ai, là. Fait que je pense que ça va être ça. Aujourd'hui, on s'en va à l'épicerie. Puis, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, je m'entraîne pas, dans le fond, c'est ma journée rest. Mais là, vu qu'on va aller marcher dans les magasins puis tout, je devrais être correct pour faire mon exercice de la journée. Fait que c'est ça. Là, je viens de faire le montage de mon vlog. Puis je me rends compte que je fais beaucoup de blabla dans une journée parfois. Puis genre dans le vlog, on voit comme juste que je suis dans ma chambre. Puis c'est pas parce que j'ai passé une bonne partie de la journée dans ma chambre. C'est juste que comme c'est là que je vais, mettons, Jérémy va écouter la télé ou il va gamer, ben moi je vais aller là, tu sais, au lieu de le déranger à écouter mes vidéos pis tout, je vais aller dans la chambre pis des fois, ben je prends un break des enfants, je m'en vais dans la chambre, tu sais, fait que c'est comme mes petits moments que je prends pour vous parler. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais écouter Unité 9. Je pense que je vais faire ça en déjeunant. Puis c'est le concours aujourd'hui que je fais tirer. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, finalement j'ai réussi à trouver le lien. Genre je vous l'avais dit que c'était Sophie ou Sandra. Puis c'était Sandra, mais là je pense que c'est Sandra Cyr ou un affaire de même. Mais j'ai trouvé. Fait que je vais faire le tirage à 4h dans le fond pour que les gens qui sont nouveaux sur ma chaîne ou quelque chose aient le temps comme de... Parce que dans le fond mon vlog va être publié à 2h. Puis je fais le tirage à 4h. Fait que tu sais, s'il y a du monde qui voit le vlog, ils font comme « Hey, j'ai pas participé », ben ils vont pouvoir participer dans les 2 heures à suivre. Fait que, tu sais, en même temps, nous, on va être partis, je sais pas si on va être revenus comme plus tôt. Fait que, en tout cas, fait que je vais faire ça vers 4h. Quand Zach va être revenu de l'école puis tout, là, ça va être vraiment plus simple. Fait que « Hey, non, ça c'est non ». Vraiment victime, pauvre enfant. Non! Mets ça par terre. Oui. Oui, mets-le là. Maman va le ramasser. Mets-le sur le divan. Oui. Oh non, tu prends mes feuilles? Ah, Dana! Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, je souhaite une bonne journée puis on se reparle tantôt. Mais dis ça! Ma fille. Regardez comment la maison est un mess. Avoir des enfants, là, c'est jamais évident. Garder une maison propre, là, c'est tout qu'un sport. Fait qu'il faudrait que je fasse ça aussi. Oh! Bouma! Salut, ma fille! Salut, ma fille! Ça va? Non, bébé. Regardez, ça, c'est mon poster. Regardez comment il est long. Non, bébé, touche pas à ça. Non, c'est pour toi. Salut, il est rendu 1h-10. On sort du Costco. Puis ça a coûté vraiment plus cher qu'on pensait parce qu'on a acheté vraiment plus de choses. Mais finalement, tu sais, ça nous sauve de l'argent sur l'épicerie d'après. Fait que là, on s'en va au Walmart. C'est pas facile pour tout le monde venir au Costco. Oh mon Dieu. Bonjour, monsieur. Il dort. Il est rendu 1h23, puis là on est revenu dans mon village parce que on était supposé aller au Walmart en sortant du Costco. Mais l'école m'a appelé pour me dire que Zach filait vraiment pas, que comme tout le midi il avait marché avec la prof, puis que c'était pas dans son habitude parce que Zach est hyperactif, là, tu sais. Fait qu'il est resté comme avec la prof tout le long, puis il dit qu'il avait mal au ventre, puis mal à la gorge. Fait que là, Jérémy est parti le chercher. Jusque là, nous autres, on s'en allait au Walmart. Puis, on a comme plein d'épiceries en arrière, genre où il y a la place à Zach. Fait que c'est ça, fait que là, je vais falloir que je prenne comme une boîte du Costco sur moi, là, mais bon, c'est pas bien grave. Fait que ça, fait que finalement, on va aller au Walmart demain. Parce que au début, j'étais comme, ah, mais là, ça me tente pas de faire aller-retour encore. Mais en même temps, ça me tentait parce que j'allais aller voir pour mon corde, je voulais, tu sais, finir mes commis. Mais dans le fond, ça va juste être une bonne raison pour nous faire sortir demain. C'est ce que je me rends compte. Fait que c'est ça. Fait que là, Jérémy est parti le chercher. J'ai hâte de voir comment il va. Tu sais, je sais pas si elle a comme... Ah mon Dieu, mais ça me... Hein? Je sais pas si elle a comme exagéré, genre les symptômes ou de quoi de même. Ou... Tu sais, parce que dans... techniquement, Zach finit l'école dans comme 1h30, genre au moment où je parle.
Fait que, tu sais, techniquement, il aurait pu toffer, mais tu sais, je suis là. Fait que, je me suis dit qu'on allait aller le chercher. Fait que, c'est pas mal ça. Fait qu'en arrivant à la maison, je vais vous montrer ce qu'on a acheté, comme d'hab. Puis, c'est pas mal ça. Je sais pas si je vous l'avais dit que j'allais faire le concours à 4 heures. Oui, je vous l'avais dit. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va s'en reparler tantôt. Salut, on vient d'arriver. Fait que là, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc, on a acheté une boîte de biscuits Dad's, comme ça, pour les lunchs à Zach. On a acheté un paquet de 3 pains, comme ça. C'est quoi, comment ça s'appelle déjà? Les grains sans méthode. On a pris le multicéréales. Puis, c'est ça, il y a vraiment pas beaucoup de calories, là. 140 calories pour 2 tranches. Fait que, c'est ça, puis genre... Il est fort en fibres et tout et tout. Fait qu'on a pris ça. On a pris du céleri. Des bananes. Un énorme sac de carottes. Genre, il est vraiment gros. On a pris du porc haché comme ça. Il était 15$. On a pris ça. Puis il est bon jusqu'au 25 janvier, mais ça, on va le faire congeler. Pour le souper de ce soir, on a pris la soupe comme ça au bœuf, là, avec des petites nouilles comme ça. Je sais que naturellement, les nouilles, c'est pas très très bon, puis tout, mais c'est plein de légumes, puis tout, là, tu sais, comme je vous ai dit, je ne vire pas folle avec ça. On a pris 2 demi-douzaines d'œufs, comme ça, c'est la première fois qu'on en achète autant, là, fait que c'est ça, mais tu sais, vu que moi, je me fais souvent des omelettes, puis Jérémy, pas Jérémy, mais je fais souvent des œufs à Jackson pour le midi. Fait que ça, je me suis dit que ça allait vraiment passer comme moins vite que des petites 12 œufs dans le fond. On a acheté l'énorme paquet de salade, comme ça, parce que dans le fond, il était en spécial, je pense, chez Super C ou chez Maxi, je sais plus trop. Puis finalement, ben ce paquet-là revenait moins cher que d'acheter comme 2 paquets de 3 dans le fond. Fait qu'il y en a 6. Fait que ça, il y en a 6 là-dedans. Fait que nous, ce qu'on aime là-dedans, c'est que... Tu sais, c'est qu'on prend quasiment une... Tu sais, on prend quasiment une salade au complet à tous les soirs. Fait que, tu sais, là, vu qu'on en a 6, on va être bon pour une semaine. Puis, ou, tu sais, comme... Pour 4 jours, mais que, mettons, je me fais des salades, là, tu sais. Whatever. Pour les lunchs à Zach, on a repris des... Ces petits trucs-là, Ritz. Puis, Jérémy s'est pris un chandail qui est vraiment beau, là, il l'a vu, puis il était comme « Oh mon Dieu, je le veux! » Fait que, dans le XX large, c'est un chandail O'Neill, comme ça. Il est comme Bourgogne. Il est vraiment beau. Fait que, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a comme le truc, là. Fait que, comme ça, puis mon Jérémy, c'est pas le genre de gars qui a beaucoup de linge. Puis je suis pas fine, souvent j'y vole. Comme la camisole que je portais ce matin, mais c'était à lui, tu sais, je suis pas bien fine. On a pris des yogourts Oikos, comme ça. Ils ont 3% de matière grasse dedans. D'habitude, je prends des zéros, mais t'sais, ça vaut vraiment plus la peine comme ça, là. Fait que ça, puis... Des petits jus pour Zach. Il est rendu 4h10. Fait que là, c'est l'heure du concours. Fait que là, la vidéo est mise là, sur sandracire.com. Fait que là, je vais... Randomly pick a winner. Fait que je vous montre ça. Donc, randomly pick a winner. Il y a bien des chances que ce soit moi qui sorte. Et c'est moi. Fred Godet. Je t'ai connu grâce à Myriam et je dois dire que depuis, j'attends patiemment tes vlogs chaque jour. Trop beau giveaway. Je croise les doigts. Bisous. Fait que Fred Godet, viens m'écrire... en message privé, soit sur YouTube ou sur Instagram. Puis dès que tu me donnes tes infos, ben, je vais te poster ton prix. Ma belle soupe Costco. Elle a l'air tellement bonne. On avait juste goûté à celle plein nouille, mais elle a l'air vraiment bonne. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on mange ce soir. Puis je voulais féliciter la gagnante du concours. J'ai comme fini ça sec tantôt, là. Mais je voulais te féliciter, puis c'est ça, je vais t'envoyer ça dès que tu me donnes tes coordonnées. Ne t'inquiète pas avec ça, je ne te ferai pas languir.
Fait que c'est ça, là, ce soir, c'est Danser pour gagner. Refuge animal, District 31. Fait qu'on va avoir une belle soirée télé. Puis c'est ça, là, j'ai vraiment hâte de manger ma soupe à l'air tellement bonne. Je vais vous en donner des nouvelles. Rendu 9h50 et on vient d'écouter toutes nos émissions, puis j'ai écouté Refuge animal, puis j'aime tellement ça cette émission-là, ça me donne tellement envie d'adopter un chien, là, c'est fou. Fait que c'est ça, là je me suis envenue dans ma chambre, puis j'ai mangé un petit yogourt, puis c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment drôle, dans le fond, parce que tantôt, la gagnante du concours, Fred Godet, elle a commenté genre « Yeah, demain le concours! » Tu sais, puis elle me demandait par rapport à mon projet secret, tu sais. Fait que moi, j'étais comme « Haha, moi je sais déjà qui a gagné! » Tu sais, c'était elle, genre. Fait que, tu sais, là, je rire, elle dit « Ben non, dis pas ça, là! Elle va savoir que c'est elle! » J'étais comme « Non, non, je vais mettre des petits diables après, là, tu sais. » Fait qu'en tout cas, on a vraiment ri, moi puis Jérémy, on a trouvé ça bien comique. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais manger mon petit yogourt, je vais écouter des vidéos. Puis après ça, je vais aller me coucher parce que, comme je vous dis, il est déjà presque 10h. Puis là, demain, je sais pas si je vais envoyer Zach à l'école. Je vais regarder son état demain matin, là, étant donné que il a vraiment comme la voix rauque, puis tout, là, puis c'est comme il avait mal au ventre de ce qu'il disait à l'école. Fait que c'est ça, fait que là, je sais pas si je l'envoie demain. Mais en même temps, pauvre Lou, il avait tellement de peine de manquer de l'école à cause de la tempête. Puis en plus, tantôt, parce que comme la... Ben, dans le fond, c'est comme la fille qui s'occupe de lui dans sa classe, mais est aussi surveillante le midi, dans le fond. Fait que c'est ça, mais elle, m'a appelé pour me dire qu'il filait pas. Puis il pleurait parce qu'il voulait rester à l'école, tu sais, même s'il restait genre 1h30 avant la fin de l'école, là, il voulait rester, puis tout. Fait que, puis il était comme « Ok, non, maman, je suis plus malade. Ok, non, j'ai plus mal. » Puis tout, parce qu'il veut vraiment pas manquer l'école. Fait que, mais en même temps, j'ai pas envie que l'école me rappelle demain pour me dire comme « Ah, oh, ben, Zachael, il file pas bien, puis tu viens de le chercher, tu sais. » Fait qu'en tout cas, je vais tout évaluer ça demain matin. Puis là, c'est là qu'on va voir si il va y aller ou pas. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite bonne nuit, puis on se revoit demain. Bye! Thank you.